Good morning, Aleiden, je serai aujourd'hui le Nishma David, Ben Fortuna, Mzal Fritna, Dvora, Bat Esther, Lucian, Bat Raina et Eliaou Vanish. Vous souhaitez aussi des deux prochaines études de Mishak, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions dans la Sechat Nedarim, Perek Vav, Mishna, Vavanoder, Minabasar, Moutar, Berotev, Ubakifa, des Rabbi Yehuda, Oser. Amar, Rabbi Yehuda, Maase, Vazarlaï, Rabbi Tarfon, Betsim, Shenid, Bashluimo, Amroulo, Vechenadava, et Matai, Bisman, Cheyomar, Basarze alai. Chanoudar minadavar, je vais nitarev ba'acher, et miyashbo benotentam, assour. On approche la conclusion de ce chapitre, à savoir, lorsqu'on interdit une chose, qu'est-ce qu'on inclut dans cet ensemble? T'as eu un coup de colère avec le fromage, qu'est-ce qu'on va appeler les fromages? T'as eu un coup de colère avec le lait, t'as prononcé un éder, tu as plus prendre du lait, qu'est-ce qu'on appelle le lait? Et avec à présent, anoudar minabasar, lorsque lui qui fait le néder de ne plus manger de viande. Je m'interdis la viande pendant un mois, une semaine. Alors, la Mishnah me dit, tu sais, malgré tout, Moutar, Barotev ou Bakipa, il aura le droit de manger la sauce qui a été cuite avec la viande. Et même Kipa, Kipa, c'est lorsqu'on fait cuire, on sait que c'est fréquent quand on fait cuire les plats de viande, qu'on laisse mijoter et tout ça, on récupère en dessous une sauce où il y a dedans des petits résidus, c'est pas de la, je sais pas si c'est de la viande, je sais pas vraiment, qu'est-ce qui fait cette matière-là, c'est pas de la viande qui s'est effritée, parce qu'on n'a pas coupé la viande, mais malgré tout, ça fabrique une sauce épaisse en dessous, qui apparemment, je suppose que c'est le fait que ça donne justement du sang de la viande, même si c'est salé, quelque chose qui coule et puis qui va se durcir en bas, ou je ne sais pas exactement, qui va fabriquer cette allure cette pseudo-viande, mais qui n'est pas de la viande. Donc, tu as le droit de les prendre, ça. Tu as le droit de consommer parce que tu t'interdis la viande. La viande, c'est ce que les gens appellent la viande. Si je t'invite à manger chez moi de la viande, je ne vais pas te prendre une sauce d'un reste de plat et je vais te la mettre sur ton riz et je vais te dire tiens tu mangerais de la viande. Manger de la viande c'est manger de la chair de viande en l'occurrence. Ça c'est l'avis de Tanakama vers Rabbi Yehuda. C'est Rabbi Yehuda, il interdit parce que pour une autre raison, parce qu'en fait c'est à cause du Taam Bassar comme on va voir tout de suite. Et là cette Mishnah et la prochaine Mishnah elles vont parler justement de ce qu'on appelle du Taam. De manière générale, si j'ai pas le droit de manger du cochon et qu'il y a du cochon qui va cuire dans un plat de pommes de terre, je n'ai pas le droit non plus de manger les pommes de terre. Pour quelle raison? Parce que les pommes de terre, elles ont pris du tam issour. Donc, un tam, les choses qui cuisent ensemble, elles prennent le tam, et la Torah l'interdit, tam, keikar, on n'a pas le droit de consommer le tam des aliments. D'accord? C'est pour ça qu'on est toutes sortes de lachot, qu'on va faire le bitoul bechishim, en l'occurrence, il va falloir annuler les choses par 60. Selon ce principe, maintenant, une question existentielle, la profonde. Tu t'interdis, tu ne vas pas manger de la viande. Mais quand la viande, elle va cuire avec des haricots verts, et l'haricot vert, il prend un bon goût de viande, t'es en train de manger le taam bassar. Si c'était de la nevela, tu n'aurais pas le droit de manger. Si tu manges t'as pas le droit de manger des haricots verts qui ont cuit avec de la viande qui a été achetée, de la viande de cheval qui a été achetée par un goy, qui est cuisinée par un goy, qui a une viande pas cachère, parce que tu es en train de manger le taam bassar. Alors pourquoi là, tu me dis que tu as le droit de manger? Quelle est la raison? C'est la problématique de la Mishnah. Alors la Mishnah me dit comme ça. Et donc Rabbi Yehuda, il interdit à cause du Taam Bassar. Rabbi Yehuda dit non, c'est interdit à cause du Taam. Le Taam, c'est quelque chose qui est interdit. Taam Keikar, c'est une grande règle dans toute la Torah. Amar Rabbi Yehuda, il vient, il va même nous prouver qu'il a raison en disant quoi? Maase ve'asar ala irabit arfon, betsim shenid bashluimo. Moi, quand j'étais jeune, j'étais devant Rabbi Tarfon, et quand j'avais fait un éder de ne plus manger de viande pendant une semaine, j'étais passé le voir en lui disant, est-ce que j'ai le droit quand même de manger les œufs de la dafina, tiens? Et la dafina, elle a cuit avec. Il y avait aussi des œufs dedans. Je ne mange pas la viande, mais j'ai envie de manger l'œuf. Est-ce que je peux? Et Rabbi Yehuda, il vient et il nous dit, ben, quand j'étais jeune, j'étais parti poser la question à Rabbi Tarfon. Et Rabbi Tarfon, il m'a dit, non, tu ne manges pas. Parce que Taam Keikar. Tu vois bien que j'ai raison, que Taam Keikar. Donc, finalement, la sauce de la viande, tu n'auras pas le droit de la manger, au même titre. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Amroulo, Mechamim, ils l'ont rétorqué, ils ont dit, non, Vechana Davar. Bien sûr, tu as raison, mais tu sais dans quel cadre, et ma taille, dans quel cadre, effectivement, tu vas interdire le taam, le fait que les animaux ont cuit avec et ont laissé leur goût. Bizan chez Yomar Basar Ze Alay. C'est-à-dire que je vais m'interdire de manger cette viande-là. Que dans ce cas-là, Shanoder Minadavar Vintarev Beacher, et Miyashbo Benotan Taam Asur. Parce que celui qui va interdire une chose spécifique, et que cette chose-là spécifique va se mélanger dans d'autres choses, alors, imiajbo benoten ta'am, surtout qu'il va y avoir le goût qui va être présent, ça va être interdit. Je m'explique. En fait, il y a deux cas de figure. Il y a un cas où il a interdit de manger de la viande. Alors, quand tu dis le mot de la viande, ça implique que
Tout ce qui s'appelle viande, pas que ni un morceau qui est dans chez toi à la maison, ni même quand tu vas aller chez ton arrière-petit cousin, il va t'inviter, tu ne pourras pas manger de la viande chez lui, parce que tu as interdit de manger de la viande. C'est la viande en général. Tu as perdu d'un côté que tu as interdit beaucoup plus de viande. Mais d'un autre côté, tu as gagné que tout ce qui est plus appelé comme de la viande, ça va être permis, même si concrètement ça a le goût de la viande. Mais lorsque tu t'interdis bassar zé alai, cette viande-là spécifiquement, ce morceau de viande, je ne vais pas en profiter. Oh, t'interdis ce morceau de viande. Alors là, ça implique que même tous les goûts qui vont dégouliner, qui vont partir de cette viande, par exemple, tu vas faire cuire cette viande avec du riz, tu vas pas en manger de riz, parce que cette fois-ci, tu es en train de profiter de la viande que tu t'interdis. Tout ça, c'est parce que tu t'interdis cette viande-là. Alors que si tu t'interdis la viande, parce qu'en fait, quand tu dis cette viande-là, ça signifie ce gros morceau-là, il est interdit à moi. Alors que quand tu dis je m'interdis la viande, tu fais allusion à ce que les gens appellent de la viande. Ok? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha Kol Tov. Salam.